Comment juger qu'une compo est terminée? Salut, c'est Yann, je suis coach Amao, j'espère que tu vas bien. Sur cette chaîne, on parle de mix DJ, de production musicale, de sound design, tout ce qui tourne autour de la création de morceaux et de jouer tes propres morceaux. Et dans cette vidéo, on va parler de ce qui se passe à la fin d'une compo, d'une composition musicale, c'est-à-dire quand tu as terminé la partie artistique, donc l'écriture des mélodies, tout ce qui est mettre le drum kit, mettre en forme tout ce qui est lié aux parties vocales, l'arrangement, etc., tous les peaufinages, et donc quand tu arrives à la fin de cette partie artistique, que j'appelle la compo, juste avant de passer à l'étape d'après qui est l'étape de mixage, eh bien comment savoir si ton futur morceau, donc ta compo, est-ce qu'elle est terminée? Est-ce que c'est le bon moment pour dire ok, c'est validé et on passe au mixage ou pas encore? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, premier axe à développer, c'est tout simplement de se dire que quand ton arrangement, il est terminé dans les détails, qu'il est peaufiné, que tu as fait vraiment le travail nécessaire pour les fins de pattern, par exemple, que tu as ajouté les petits effets qui vont bien quand tu as mis des automations qui permettent de créer du mouvement, de faire des choses intéressantes comme ça tout au long de morceaux, que ton énergie, elle est bien gérée, etc. Là, tu peux te dire que une fois que c'est peaufiné, c'est bon, on peut passer en mixage. Sauf que cette réponse-là, elle ne répond pas vraiment encore à la question de comment savoir si c'est le bon moment pour passer en mixage. Donc là, si tu veux, cette première partie de réponse, on va dire qu'elle est peu, elle est un peu de l'ordre de la méthodologie. C'est-à-dire que dans ta méthode, voilà, une fois que tu as fait tout l'arrangement, que tu as fait les peaufinages, l'étape d'après, c'est le mixage. Mais à quel niveau de peaufinage, à quel niveau de détail tu es prêt à aller, là, c'est encore un peu plus dur à répondre. Alors, pour essayer de répondre plus en détail à cette question, je dirais que ça dépend de ton niveau. Si tu débutes en compo et que tu as créé moins de 10 morceaux, et je parle de morceaux terminés, eh bien, ne va pas dans le détail de peaufiner l'arrangement. Alors, fais ce que tu peux pour que ton morceau soit le plus joli possible, qu'il soit le mieux possible, mais ne sois pas perfectionniste, ne va pas passer des heures, comme j'ai pu le faire, à régler un compresseur sur un détail insignifiant que personne n'entendra. Ça n'a aucune utilité. Et surtout, quand tu débutes, le but, c'est de faire quand même de la quantité de morceaux, parce que c'est en faisant des morceaux, que tu vas assimiler le processus de création de morceaux et que du coup, de fil en aiguille, tu vas améliorer cette recette, tu vas améliorer la façon dont tu composes tes morceaux. Donc ne sois pas perfectionniste dans la fin de tes arrangements quand tu es débutant. Maintenant, si tu as un niveau plus avancé, si tu as créé plusieurs dizaines de morceaux, au moins 40 morceaux par exemple, là tu peux te permettre d'être un peu plus dans le détail, dans la finition, puisque au niveau de l'arrangement, quand tu vas travailler tous ces 1001 petits détails, c'est ça qui va faire la différence entre une compo qui est bien, mais il manque encore un petit quelque chose, d'une compo qui est pro, qui est presque magique, si tu veux. En fait, c'est pour ça que cette dernière phase, moi, j'ai tendance à l'appeler l'alchimie. Quand tu as un niveau avancé, que tu arrives à faire plein de micro-peaufinages, eh bien, tu vas rendre quelque chose qui est un peu froid, qui est un petit peu numérique, en une musique qui serait un peu plus magique, entre guillemets. En tout cas, tu vas tendre à aller dans cette direction pour justement avoir cette petite cerise sur le gâteau qui fait que voilà, ta compo, elle est vraiment bien peaufinée, il y a le petit coup de vernis, etc. Et que quand on arrive en mixage, après, le mixage, il soit très transparent, il soit très simple, puisque le niveau de finition, de propreté de ta compo, ça ressemble déjà à quelque chose de mixé, voire presque à quelque chose de masterisé, à part sur le niveau perçu, hein, le niveau sonore perçu. Mais en tout cas, c'est de cet ordre-là. Moi, quand je fais des compos, je m'arrête pas tant que le rendu final de la compo ressemble à un master. Même, alors, encore une fois, sans l'aspect loudness, hein, le niveau de volume perçu, du morceau, hein, mais en termes de finition, de détails, de comment on l'entend sur différents systèmes, etc., c'est de ce niveau-là. Donc si tu veux vraiment te professionnaliser, essaye d'adopter cette démarche-là. Ensuite, un deuxième axe qui peut te faire dire que c'est bon, la compo, on arrête là, on passe en mixage, c'est con, hein, mais c'est quand on a marre. Parce que quand ça fait des dizaines d'heures, peut-être 30 heures, que tu charbonnes sur une track, que tu as la tête dans le guidon, t'en peux plus parce que t'as écouté cette même mélodie en boucle, que tu en as marre de faire des micro-détails, d'aller chercher tous ces peaufinages. Quand on a vraiment marre, il y a un moment, il faut juste ne pas se poser de questions et se dire « Ok, là, c'est bon, le taf, il est assez bien fait pour qu'on passe en mixage, tout en acceptant que la perfection n'existe pas, ton morceau, il ne sera jamais parfait. » C'est-à-dire que même si tu avais 10 ans ou 20 ans d'expérience de plus en production musicale, ton morceau, il ne sera jamais parfait. Donc, à un moment, il faut savoir se dire stop,
pour quand même continuer jusqu'à la fin du morceau et pas juste de la compo, c'est-à-dire le morceau, c'est-à-dire faire le mixage plus le mastering derrière. Donc il y a encore, tu vois, il y a encore plusieurs heures de travail avant que le produit fini soit prêt à être commercialisé pour être envoyé sur Spotify ou être joué dans un club en public, par exemple. Tu vois. Alors, si tu débutes en musique et que tu es peut-être un petit peu perdu dans toutes ces notions d'arrangement, que tu manques de visibilité sur les différentes compétences de production musicale, je t'ai préparé une formation qui est complètement gratuite. C'est une vidéo qui dure une heure, qui s'adresse aux débutants qui veulent apprendre la MAO, mais qui savent pas trop par où commencer. Tu vas voir, ça s'appelle En gros, ça tourne autour des quatre piliers de la production musicale. Hein. Je te mettrai un lien dans la description pour la télécharger. En fait, cette vidéo, elle est incluse dans le pack de Bienvenue MAO. C'est un ensemble de ressources que j'offre à mes élèves. Tu as juste à rentrer ton prénom et ton email. Tu vas aussi recevoir d'autres ressources comme des vidéos. Il y a une banque de sons et tu vas recevoir mes emails avec de la valeur que je ne partage pas sur YouTube. Donc tout ça, tu peux le télécharger maintenant, c'est dans la description en dessous de cette vidéo. Et enfin, le dernier axe pour choisir si c'est le bon moment de passer à l'étape du mixage ou pas encore, c'est de se dire, voilà, là, tu as fait ton arrangement, tu as fait ce qu'il faut en peaufinage, etc. Et tu ne sais pas si c'est le bon moment pour passer en mixage, sachant qu'il y a des traitements que tu peux faire en phase de compo qui peuvent généralement être faits plutôt en phase de mixage. Je pense par exemple à des EQ ou des compresseurs. Tu vois, ce sont typiquement des traitements qu'on va utiliser en phase de mixage, mais rien ne t'empêche de les utiliser déjà en phase de compo. Moi, c'est ce que je fais, si tu sais ce que tu fais. Alors, il faut avoir des notions aussi de mixage, de dynamique, etc. Mais tu peux très bien les faire en phase de compo. Et dans ce cas-là, en fait, si tu anticipes déjà ce qui va se passer en mixage, alors que tu es encore en phase de compo, eh bien, tu vas pouvoir encore plus peaufiner comme ça ta track et aller davantage dans cette approche que je te recommande, c'est-à-dire d'avoir une compo qui soit le plus proche possible du rendu final d'un morceau qui soit masterisé, alors que tu n'es même pas encore passé en phase de mixage. Donc ça, ce genre de conseil, c'est plus pour des gens qui ont un niveau avancé déjà, puisque déjà, il faut bien maîtriser tous les aspects de la production sur l'aspect artistique, mais il faut aussi savoir faire le mixage pour pouvoir anticiper ce qui se passe derrière. Mais en fait, quand tu le fais bien, quand tu peaufines à ce niveau-là ta compo, en anticipant le mixage, eh bien en fait, quand tu vas arriver en mixage, déjà, ton mixage il va être beaucoup plus transparent, il sera beaucoup plus facile, il sera beaucoup plus simple, et, parce que tout aura déjà été prévu en amont. Et en plus, ce qui est vraiment important, c'est que dans cette phase de mixage, tu ne vas pas effectuer de corrections qui auraient dû être corrigées en phase de compo. Par exemple, je sais que tu as des ingénieurs de mixage qui reçoivent des projets où tu as par exemple le kick et la basse qui ne sont pas accordés, alors que ça devrait l'être dans un certain contexte. Hein. Je ne dis pas que c'est forcément le cas dans toutes les musiques, hein. Mais voilà, donc du coup, il peut y avoir par exemple une dissonance entre deux éléments. Et donc ça, ce sont des choses à corriger en phase de compo, puisque c'est lié à de l'artistique. Ce n'est pas lié à de la technique qu'on a en ingénierie sonore, en ingénierie de mixage. Donc si ta compo, elle est ultra peaufinée en amont, bah, quand tu arrives en mixage, c'est simple, c'est facile, c'est rapide, c'est fluide. Ton mixage il est transparent et ça se passe très bien. Et ça, c'est une manière extrêmement professionnelle de travailler. Au final, le mixage, il ne va pas faire de correction artistique. Par contre, tu vas pouvoir ajouter 2-3 petites couches de vernis comme ça au mixage. Tu vas peut-être gagner 10% de qualité par rapport au rendu de la compo. Mais ce ne sont pas des corrections, c'est plutôt de l'optimisation, de l'affinage. C'est ça que tu vas rechercher. Alors, si tu fais le mixage toi-même, même si ce n'est pas forcément le cas d'ailleurs, mais c'est encore mieux si tu le fais toi-même et que tu sais anticiper comment ça fonctionne en mixage, eh bien, tu peux te dire que l'arrangement, donc toute la phase de compo est terminée quand il n'y a plus aucun élément qui soit audible par un non-initié, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose en musique, en fait, qui viendrait écouter ta musique. S'il n'y a rien, en fait, qui soit audible par lui, qui faille ajouter, modifier ou supprimer, eh bien, tu peux passer à l'étape du mixage. Parce que même s'il y a 2-3 petites choses à corriger sur ta compo, mais que ça peut être fait en mixage et que tu en as marre du projet, tu as envie de valider la compo et de passer en mixage, eh bien, tu sais en âme et conscience qu'en mixage, tu pourras atténuer le volume peut-être de ce synthé qui est peut-être un petit peu trop fort, ou alors tu pourras corriger la dynamique de cette caisse claire à certains passages du morceau.
Parce que tu n'es pas en train de corriger quelque chose d'artistique, tu es en train d'affiner en fait des choses qui ne sont pas audibles par un non-initié à la musique. D'accord ? Donc des choses qui sont difficiles à déceler si on n'a pas une oreille exercée, si tu veux. Et dans ce cas-là, en mixage, tu vas pouvoir soit ajouter, supprimer, atténuer ou modifier des éléments. Ça peut être des volumes, de la dynamique, ça peut être ajouter un peu de reverb ou de delay, par exemple, si c'est nécessaire et que ça n'a pas été fait en compo. Tu vas pouvoir peut-être améliorer le rendu au niveau de la stéréo, au niveau de différents éléments comme ça, hein, peut-être au niveau de la saturation et autres. Et dans ce cas-là, en fait, quand tu peux anticiper ce qui se passe en mixage alors que tu es encore en compo, ça te permet de prendre du recul pour savoir à quel moment c'est bon de se dire c'est bon, la compo elle est terminée, elle est validée. Même s'il y a deux trois petites pétouilles, je sais que ces pétouilles je pourrais les modifier, les corriger en phase de, comment dire, de mixage, parce que c'est tellement des détails que de toute façon c'est pas de la grosse correction audible, c'est pas de la correction artistique, c'est plus de l'affinage technique. Voilà pour ces explications, j'espère que ça t'a aidé. Mets-moi en commentaire si tu as des conseils aussi pour aider la communauté comme ça à prendre des bonnes décisions quand on arrive à la fin de la composition, parce que c'est un moment qui est crucial pour beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à terminer leur morceau à cause de ce passage-là. En fait, la fin d'arrangement, ça demande de la persévérance, de l'organisation, c'est pas évident. Donc si tu as des conseils, vas-y, mets en commentaire. Pense à t'abonner, à activer la petite cloche pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Et puis, je te remercie d'avoir été là, je te dis à très bientôt. Ciao.